Tonight we're going to deal with the seven seals of Revelation. Ce soir, nous allons parler des sept sceaux de l'Apocalypse. Now the book of Daniel and the book of Revelation are twins. Alors le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont des jumeaux. And when you follow the prophecies in the book of Daniel, et quand vous étudiez les prophéties dans le livre de Daniel, then each prophecy sweeps through the same periods of history. Chaque prophétie couvre la même période de temps dans l'histoire. But each subsequent prophecy adds another dimension. Mais chaque prophétie ajoute une dimension ultérieure. And so it is with the book of Revelation as well. Et le même se passe avec le livre de l'Apocalypse. Many of the definitions of the various characters in the book of Revelation. Beaucoup de définitions des rôles principaux dans le livre de l'Apocalypse. Also come from the book of Daniel. Sortent aussi du livre de Daniel. So the definition of a horn. La définition d'une corne. The definition of a beast. La définition d'une bête. All of these you will find in the book of Daniel. Vous les trouverez dans le livre de Daniel. And then Revelation falls into place all by itself. Et alors l'Apocalypse va s'étudier en ce contexte d'interprétation. Now we dealt with the seven churches. Alors nous avons parlé des sept églises. And we found that that was a sweep through history. Et on a découvert qu'elles étaient un parcours à travers de l'histoire. In the same fashion, when we deal with the seven seals, et alors de la même façon quand on parle des sept sceaux, we'll see that they are also a sweep through history. Nous découvrons aussi que eux-mêmes, ils sont aussi un parcours à travers de l'histoire. With a different perspective and another dimension. Mais avec une perspective différente et une dimension différente. And we find in Revelation chapter 6 verse 1 that the Lamb opened the seals. Et nous trouvons que au chapitre 6 de l'Apocalypse, c'est l'agneau qui ouvre les sceaux. And this scroll had seven seals. Alors ce livre, ce rouleau avait sept sceaux. Now in the old days, a will or a testament was sealed with such seals. Alors autrefois, votre dernière volonté ou le testament était scellé avec des sceaux. And in order for a will to have any benefit, there must be an heir. Et alors pour permettre que ce testament puisse être utilisé, il fallait avoir un héritier. And not only must there be an heir, there must be someone who actually writes the will. Et il ne faut pas seulement qu'il y ait un héritier, il fallait aussi qu'il y ait quelqu'un qui écrive le testament. And so this story, as it unfolds, will be very interesting. Alors cette narrative qui nous vient expliquer est très intéressante. We're going to do a verse by verse exegesis as we go through the book. Alors nous allons étudier les chapitres verset après verset de façon exégétique. In Revelation chapter 4 verse 1 we read, after this I looked and behold a door was opened in heaven. Alors Apocalypse chapitre 4, le premier verset nous lit, après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, which said, come up hither and I will show you things which must be hereafter. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Now who is he talking to? Alors à qui parle la voix? He's talking to John, the Revelator, right? La voix parle avec Jean, l'apôtre de l'Apocalypse. So he's talking to his prophet, one of the apostles. Alors la voix parle à son prophète, à un des apôtres. And he says, I'm going to show you things which are to come hereafter. Et le dit la voix, je vais te montrer des choses qui doivent se passer, qui doivent arriver. So we can assume that it must be from the Christian era onwards. Et alors nous pouvons nous imaginer que cette description commence du temps chrétien en avant. And immediately I was in the spirit and behold a throne was set in heaven and one sat on the throne. Et aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. So he gets a vision of the throne room of heaven. Alors il reçoit une vision de la salle du trône dans les cieux. And the one sitting on the throne is the judge of all mankind. Et celui qui est assis sur le trône est le juge de toute l'humanité. So when we think about the judgment, et quand nous pensons au jugement, a judgment has various phases. Un jugement a plusieurs phases. There's an investigative phase. Il y a une phase investigative.
Whether you determine whether somebody is guilty or not guilty. Ou vous déterminez si la personne est coupable ou pas coupable. And then there is the pronouncement of judgment. Et après, il y a la phase où on prononce le jugement. Or where the fate is sealed. Où le destin est fixé, scellé. And then there is an executive judgment. Il y a une phase exécutive. When whatever the judgment is goes into fulfillment. Où le jugement s'accomplit. And in Romans chapter 2 verse 5 and 16. Dans le livre des Romains chapitre 2 versets 5 et 16. We read, but after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. So we can sideline Jesus as much as we like. We'll have to face him in the judgment at some time. Alors nous pouvons mettre à côté Jésus tout le temps que nous voulons, mais nous le devrons voir au jugement dans les temps futurs. Well, 2 Corinthians 5:10 says we will all, we must all appear before the judgment seat of Christ. Alors 2 Corinthiens 5:10, il nous dit que il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive. That everyone may receive the things done in his body. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. The Bible says all judgment has been given unto him. Alors la Bible nous dit que tout jugement a été donné au Christ. In Acts we read he has appointed a day in which he will judge the world in righteousness. Actes des apôtres 17:31 nous lisons que et il a fixé Dieu un jour où il jugera le monde selon la justice. And then by whom? Et par qui? By the one he has ordained. Par l'homme qu'il a dessiné, dit le texte. And he's put his seal of approval upon it because he raised him from the dead. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine et en les ressuscitant des morts. C'est Jésus-Christ. Revelation 4:3. Apocalypse 4:3. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow around about the throne in the sight like unto an emerald. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. So here is a magnificent sight of the reflection of all these precious stones. Et alors voilà cette merveilleuse vision d'une lumière qui ressemble à toutes ces pierres précieuses. And Christ sits as judge. Et alors le Christ est assis comme juge. And then we have a description of all those around him in the throne room. Et après nous avons une description de tout ce qui se passe autour de lui dans la salle du trône. And round about the throne were 24 seats. Verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes. Some translations have thrones. Alors, comme en français, nous disons trône, la traduction. And upon the seats, I saw 24 elders sitting clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. And the throne was awesome. Et le trône était merveilleux. There proceeded lightnings and thunderings and voices. Verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. And there were seven lamps of fire burning before the throne. Et devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Which are the seven spirits of God. Qui sont les sept esprits de Dieu. Now this doesn't necessarily mean that God has seven spirits. There's one Holy Spirit. Alors ça ne signifie pas nécessairement que Dieu a sept esprits, il y a seulement un Saint-Esprit. But this is a time prophecy. Mais cette prophétie, c'est une prophétie qui avance à travers le temps. Divided into seven periods. Et qui est divisée en sept périodes. And God's Spirit is in control of every single period. Et l'Esprit de Dieu a le contrôle sur chaque période, phase de l'histoire. Remember the number 7 is the divine number, it's the number of deity. Et vous vous rappelez que le numéro 7 c'est le numéro de la divinité, c'est le numéro de Dieu. Now if we go back to the Old Testament. Alors si nous retournons à l'Ancien Testament. And we look at the rulership of Israel. Et nous considérons l'administration de Israël. We read in 1 Chronicles chapter 24 from verse 7 onwards. Nous lisons à 1 Chroniques 24, verset 7 en avant.
Now we're not going to read it all. Nous n'allons pas lire tout le passage. But here there were chosen two representatives from every single tribe. Et alors ici, ils choisissirent deux représentants de chaque tribu. And their names are listed here in Chronicles. Et nous avons la liste de leurs noms ici en Chronique. And down we go all the way. Et voilà toute la liste. And we'll see there were 24 of them. Et si nous les comptons, il y en avait 24. So there were 24 elders in Israel. Alors il y avait 24 anciens en Israël. And they served under Aaron the priest. Et ils servaient sous Aaron le prêtre. So they served in the ministry of the tabernacle. Alors ils servaient dans le ministère du tabernacle. Now Aaron represents whom? Et alors Aaron, il représente qui? He's the high priest. Whom does he represent? Alors c'était le grand prêtre et qui représente-t-il? Jesus. Jésus. So Jesus has 24 elders in heaven surrounding him, just like Aaron had 24 elders serving with him in the earthly tabernacle. Alors Jésus a 24 anciens dans les cieux qui sont autour de lui, de la même façon que Aaron avait 24 anciens qui le servaient dans le tabernacle terrestre. So verse 19 says, these were the orderings of them in their service to come into the house of the Lord, according to their manner, under Aaron their father, and as Lord God of Israel had commanded him. Et alors le verset 19 nous dit, c'est ainsi qu'ils furent classés par leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Now, the Bible doesn't say who these 24 elders are. Alors la Bible ici en Apocalypse ne nous dit pas qui sont les 24 anciens. And we can speculate as to who they are. Et nous pouvons supposer sur leur identité. But there is a suggestion which says do not go beyond what is written. Mais il y a une suggestion dans l'étude de la Bible qui nous dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Fact is there are 24 elders that serve around the throne of God this day. Le fait c'est que il y a 24 anciens qui servent autour du trône de Dieu à l'heure présente. Some speculate that they are 24 elders from the various planetary systems in the universe. Il y en a ceux qui suggèrent qu'il y a 24 anciens qui représentent les systèmes des planètes dans l'univers. And some say that they are part of the redeemed that were raised from the dead at the resurrection of Christ. Il y en a ceux qui nous disent qu'ils font partie des rachetés qui ont été ressuscités à la résurrection du Christ. And we don't really know. Mais nous ne le savons pas. Well, we can find some clues maybe as we go along. Mais nous pouvons trouver sûrement des indications quand nous avançons dans le texte. And the description goes on, and before the throne there was a sea of glass like unto crystal. Et la description continue verset 6 et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable au du cristal. And in the midst of the throne and around about the throne were four beasts full of eyes before and behind. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. So he sees these four creatures. Alors il voit ces quatre êtres vivants. Now he doesn't know who they are. Mais il ne les identifie pas. But they see everything. They don't miss anything. Mais ils voient partout, ça ne leur échappe rien. And then he describes them. He says the one is like a lion. Et il nous donne une description, il nous dit que le premier c'est comme un lion. The other one is like a calf. Et le deuxième comme un veau. The other one had a face of a man. Et le troisième, c'est, il a comme un visage d'homme. And the fourth was like a flying eagle. Et le quatrième, il est comme une aigle qui vole. Now, what does this mean? Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? And the four beasts had each of them six wings about him. Verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. And there were all these eyes everywhere. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. And they rest not day or night saying, Holy, holy, holy Lord God Almighty, which was and is to come. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. All right. So who is it referring to? Who is the Lord God Almighty here? Alors c'est qui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant? De qui on parle? It's Jesus. C'est How Jésus. Do you know it's Jesus? C'est Jésus et le savons comment? Because he is to come. Parce que c'est celui qui vient.
Right? If it was referring only to the Father, then it wouldn't have that part of the sentence. Si le texte parlait seulement du Père, alors nous n'aurions pas la phrase qui dit qu'il vient. Right? Now when we go to the book of Isaiah, et quand nous lisons dans le livre de Ésaïe 6:2, we read above it stood the seraphim. Alors nous lisons sur les séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Each one had six wings. Et ils avaient chacun six ailes. With two of them, they covered their face. Deux dont ils se couvraient la face. With two, they covered their feet. Deux dont ils se couvraient les pieds. And with two, they flew. Et deux dont ils se servaient pour voler. Seraphim, this is a form of angel. Alors les séraphins, c'est une forme de ange. So did John see something that was totally new, or did he see something that was already described in the Old Testament? Alors est-ce que Jean a vu quelque chose qui était totalement nouveau, ou bien a-t-il vu quelque chose qui avait été déjà décrit dans l'Ancien Testament? He's describing these angelic beings that are called seraphim in heaven. Il nous donne une description de ces êtres angéliques qui s'appellent séraphins. Now, what does it mean that they were like a lion, like a calf, like a man, like an eagle? Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'ils étaient comme un lion, comme un veau, comme un homme et comme un aigle? Well, the traditional view is that the lion stands for strength. Alors, l'interprétation traditionnelle, c'est que le lion représente la force. The calf or the ox stands for endurance. Et le veau et le bœuf représentent l'endurance. The man stands for intelligence. Et l'homme représente l'intelligence. And the flying eagle stands for swiftness. Et l'aigle qui vole représente la vitesse. There is another view which I personally like. Mais il y a une autre interprétation que personnellement me plaît. And that is that they reflect the character of Christ. C'est que ces attributs reflètent le caractère de Christ. The lion is the king of the beasts. Le lion, c'est le roi des bêtes. So that represents the kingship of Christ. Alors ça représente la royauté du Christ. The calf or the ox is a beast of burden and labor. Le veau ou le bœuf, c'est une bête de somme. So it represents the servant aspect of Christ. Et ça représente l'aspect serviteur du Christ. The face of the man represents the humanity of Christ. Et le visage de l'homme représente l'humanité du Christ. And the eagle has always been a symbol of deity. Et l'aigle, ça a toujours été le symbole de la divinité. You know, Satan is such a copycat. And he uses the eagle as his symbol of deity. Et Satan aime tant imiter, et lui, il utilise aussi l'aigle comme un symbole de sa fausse divinité. So these are the attributes of Christ which are reflected in the seraphim. Et donc voilà les attributs du Christ qui se reflètent dans les séraphins. Verse 9 says, and when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. Apocalypse 4:9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Then the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever. Les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. And they cast their crowns before his feet. Et ils jettent leur couronne devant le trône. A little clue. Alors, une indication. Who else is going to cast their crowns before his feet? Qui va encore jeter leur couronne devant le trône? Isn't it the redeemed? N'est-ce pas les rachetés? I think the redeemed are going to take their crowns and cross them before his feet. Je crois que les rachetés vont s'enlever leur couronne et les vont jeter devant le trône. And they say, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Verset 11, et ils disent, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Car Tu as créé toutes choses, et c'est par Ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. The Bible clearly says that Jesus is the creator. Alors la Bible dit clairement que Jésus est le créateur. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with seven seals. 5:1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sept sceaux. So here he has the sealed document in his hand. Et voilà ce document scellé dans ses mains. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte,
qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. In other words, you must have the right to the inheritance. Voyez-vous, vous devez avoir le droit d'être l'héritier. Only then can you be worthy. Et seulement comme ça, vous êtes digne. But no man in heaven, nor in earth, nor under the earth was able to open the book, neither to look thereon. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. No heavenly being. Aucune personne dans les cieux. No earthly being. Personne dans la terre. Nobody who had died previously. Nobody. Et une personne qui était morte non plus. Was able to open that scroll. Qui pouvait ouvrir le rouleau. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Neither to look thereon. Ni de le regarder. So the prophet realized that if this scroll is not opened. Alors le prophète a réalisé que si le rouleau ne s'ouvrait pas, the inheritance of eternal life is lost forever. L'héritage de la vie éternelle serait perdu pour toujours. Is there no hope? Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? And then one of the elders said unto me, verset 5, et l'un des vieillards me dit, weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir and to loose the seven seals thereof. Pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Here is a conclusive evidence, another scriptural evidence that salvation is available in Christ alone. Et voilà une évidence décisive, encore une fois dans la Bible, que le salut peut se trouver seulement avec le Christ. Why can only Jesus save us? Et pourquoi est-ce que seulement Jésus peut nous sauver? Why cannot Muhammad save us? Pourquoi pas Mahomet, par exemple? Why cannot Buddha save us? Et pourquoi pas Bouddha, par exemple? Why cannot Zoroastre save us? Ou bien Zoroastre? Why only Jesus? Isn't that selfish? Pourquoi seulement Jésus? N'est-ce pas ça égoïste? If Jesus is God, si Jésus est Dieu, then he's the creator. Alors il est le créateur. If he is God, then he has life within himself. Et s'il est Dieu, il a la vie dans lui-même. And he can lay it down and pick it up again. Et il a le pouvoir de la donner et il a le pouvoir de la reprendre. Has an angel got that power, being a created being? Est-ce qu'un ange a ce pouvoir en étant lui-même une créature? No. Non. Has non. A human being got that power? Est-ce qu'un être humain a ce pouvoir? No matter how good he was, does he have that power? Ça n'importe pas le bien que cette personne ait pu faire. No. Non. So can he lay down his life and take it up all by himself again? Est-ce qu'il peut donner sa vie et la reprendre par soi-même à cette personne? Can someone who does not have life to give give life? Est-ce qu'une personne qui ne possède pas la vie peut-elle donner la vie? No. Non. So only God. Alors seulement Dieu. Become flesh. Il est devenu chair. Could pay the price for your and my transgression. Et il a payé le prix pour ma transgression et votre transgression. Which is death. Qui aboutit à la mort. And then pick up his own life again. Et après ça, il a repris sa vie. And give life which he can give to those who don't deserve it. Et il donne la vie que lui il peut donner à ceux qui ne la méritent pas. So salvation is only possible because Jesus Christ is God in the flesh. Alors le salut est donc possible seulement car Jésus-Christ est Dieu qui s'est manifesté en chair. So I want to tell you, if you reduce Jesus to anything less than God, we are all lost forever. Alors si vous réduisez Jésus à quelque chose de moins que Dieu, nous sommes tous perdus. There's only one who can pick up the inheritance that was lost in Eden. Il y a seulement une personne, un être, qui peut récupérer l'héritage qui avait été perdu dans l'Éden. And is worthy to open the scroll. Et il est digne d'ouvrir ce rouleau, ce livre. And I beheld and lo in the midst of the throne. Et je vis au milieu du trône, verset 6. And of the four beasts and in the midst of the elders. Et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards.
stood a lamb as it had been slain. Un agneau qui était là comme immolé. So here you have a picture of Jesus in his lamb form as his sacrificial form. Et alors ici vous avez une description de Jésus dans sa forme de agneau, dans sa forme immolée. Having seven horns. Et il avait sept cornes. Horn is a symbol of power. Alors une corne c'est un symbole de force, de puissance. Seven is the number of deity. Et sept c'est le numéro de la déité, de la divinité. So the book of Revelation testifies powerfully to the deity of Christ. Alors le livre de l'Apocalypse témoigne de façon puissante sur la divinité du Christ. And I want to tell you today that that is the one subject that is most under attack in the world, even in the Christian world. Et de nos jours, je veux vous bien dire que c'est le thème le plus attaqué dans le monde aujourd'hui, même dans le monde chrétien. So the number seven in terms of eyes and the number seven in terms of spirits are all associated with Jesus Christ, with the Lamb. Alors le numéro 7, soit pour les yeux, le numéro 7, soit pour l'esprit, est associé avec Jésus-Christ, l'agneau. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Et verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. And when he had taken the book, the four beasts and the 24 elders fell down before the Lamb. Et quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Having every one of them a harp. Tenant chacun une harpe. A golden vial full of odors. Et des coupes d'or remplies de parfums d'incense. Which are the prayers of the saints. Qui sont les prières des saints. So they play a role in the intercession. Alors ici, ils ont une fonction dans cette œuvre d'intercession. And they sing a new song. Et ils chantaient un cantique nouveau. Worthy is art thou. Tu es digne. To take the book and to open the seals. De prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. For thou wast slain. Car tu as été immolé and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred, tongue and people and nation. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Here's another little clue. Et voilà une autre indication. They're saying you have redeemed us. Dans la majorité des traductions en grec, ils disent ici tu nous as racheté. Who's saying this? Et qui dit ça? Who's saying this? Qui dit ça? The elders are saying. Les anciens disent ça. All right. Do the angels in heaven have to be redeemed? Yes or no? Est-ce que les anges dans les cieux ont besoin d'être rachetés? No. Non. Do unfallen beings have to be redeemed? Yes or no? Est-ce que les créatures qui n'ont jamais péché ont besoin d'être rachetées? Oui ou non? No. Non. So if I can be just a little bit naughty. Alors, si vous me permettez d'être un petit peu audacieux, j'ose dire que oui, ces anciens faisaient part de ceux qui ont été ressuscités avec le Christ. And why 24 elders? Et pourquoi 24 anciens? Why not just one from every tribe of Israel? Why two? Pourquoi pas une personne seulement de chaque tribu d'Israël? Pourquoi deux? Isn't it possible that Israel had two phases? N'est-ce pas possible qu'Israël avait deux phases? A Jewish phase, if you like, and a Christian phase. Une phase juive, si vous voulez, et une phase chrétienne. Because if you are in Christ, then you are part of Abraham's heritage, says the Bible. Car si vous êtes unis au Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, nous dit la Bible. So it represents both the literal Israel and the spiritual Israel. Alors il représente d'un côté l'Israël littéral et de l'autre côté l'Israël spirituel. Well, we're in chapter 5 already. Alors nous lisons déjà dans le chapitre 5, verset 10. And he has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Clue. Une indication encore. Who will reign on this earth? Qui est-ce que va régner sur cette terre? Isn't it man with Christ that will reign on this earth? N'est-ce pas les rachetés avec le Christ qui régneront sur la terre? Was there ever an unfallen man that will rule on this earth? I don't think so. Est-ce qu'il y a jamais eu un homme qui n'a jamais péché et qui va régner sur cette terre? Je ne crois pas.
And I beheld and I heard the voice of many angels around about the throne and the beasts and the elders. Et je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Billions of angels. Milliards d'anges. And they were all saying with a loud voice. Et ils disaient d'une voix forte. Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and as such as are in the sea and all that are in them heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth on the throne and unto the Lamb forever and ever. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that lives forever and ever. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit dans les siècles. Who's in control of this world? Alors c'est qui contrôle ce monde? After that throne scene? Après avoir lu cette vision du trône? Who's the one who has all power and is worshipped forever and ever? C'est qui celui qui a tout le pouvoir et qui est adoré pour toujours et toujours? Jesus. C'est Jésus. So here the mind is prepared for who the deity of the universe is. Voyez-vous, après ce passage, votre esprit est préparé pour voir qui est la divinité de l'univers. And in comparison, Satan and his fallen angels. Et quand on compare Jésus avec Satan et ses anges déchus, are a pathetic bunch. Un groupe misérable. That rise up in arrogance against this power. Qui s'élève en arrogance contre ce pouvoir. And yet God permits it. Et Dieu le permet quand même. You know, if I were God, I wouldn't have permitted it. Savez-vous, si moi j'étais Dieu, je ne l'aurais pas permis. Not only did God permit it, he took the consequences upon himself. Et pas seulement Dieu l'a permis, il a pris les conséquences sur soi-même. That's why he's a lamb that was slain. C'est pour ça qu'il est un agneau qui a été immolé. And he's long-suffering. Et il est lent à la colère. Now, keep that picture in mind of this mighty God. C'est important de garder cette scène dans l'esprit du Dieu Tout-Puissant. And then we'll go through the sweep of history of the catastrophe of this planet. Et après ça, nous étudierons le parcours de l'histoire de cette catastrophe dans le planète. And though it appears as if God is totally out of control. Et on pourrait penser que Dieu a perdu totalement le contrôle. And has nothing to say in this mess that's happening on this earth. Et qu'il n'a rien à dire sur tout le chaos qui se passe sur la planète. The mere fact that he tells us ahead of time exactly how it's going to pan out. Le fait qu'il nous dit à l'avance exactement comment les choses vont se passer. Tells us that he's absolutely in control. Nous dit que il a le contrôle absolu. We cannot change it. Nous ne pouvons rien changer. We can only observe it. Nous pouvons juste observer. And we can decide to become depressed. Et nous pouvons décider de nous déprimer. Or we can decide to look up into the throne room. Ou nous pouvons décider de regarder dans la salle du trône. That's our choice. C'est notre choix.